Ryan Josh, yeah, we should feel. Vous êtes un habitué de la Goutte d'Or? Oui et non. Les jours de semaine, je travaille. En général, je ne viens que les samedis et les dimanches. J'habite le 13e. Enfin, je connais personne, à part mon compatriote Boucher. C'est pour ça que je ne viens que les samedis et les dimanches. Et vous venez ici pour rencontrer des gens du quartier? Oui, mais la plupart, c'est des gens qui viennent un petit peu de partout. Ils viennent de la banlieue, enfin de la région parisienne. Ils viennent pour leur commission, enfin pour le truc. Il y a aussi des Algériens vacanciers aussi qui viennent pour des vacances. Et puis, il y a aussi des compatriotes qui ont des problèmes de boulot, quoi. Moi, en tant qu'électricien, j'essaie dans la mesure du possible d'essayer de faire quelque chose pour eux, enfin de les embaucher avec moi ou de leur montrer, c'est-à-dire des bureaux intérimaires où ils puissent avoir un boulot. Et quand on se retrouve dans un café comme ici, on parle de quoi, en gros? Ça commence par des blagues. On se chuchote un petit peu, on se chamaille, on se raconte des histoires, enfin, un tas de blagues, un tas de trucs. Et puis, on évoque un petit peu les anciens souvenirs. On parle du pays. Et des fois, on a des si c'est un Oranais comme moi, qui vient, on lui demande les nouvelles du pays. Comment que ça va, si ça ne va pas, s'il a vu nos parents, qu'est-ce qu'ils en pensent. Vous savez, les parents s'inquiètent beaucoup sur notre sujet. Et surtout, ils veulent savoir si on est bien, c'est-à-dire si on travaille, si on a une bonne situation, si on est dans le droit chemin, enfin, un tas de trucs. Plus ça, parce qu'ils s'inquiètent beaucoup, parce qu'on ne descend pas tous les ans. Une fois tous les deux ans, des fois ça arrive jusqu'à 3 ans, pour descendre au pays. Et puis, on évoque un petit peu la révolution. Enfin, on discute tant de l'eau, c'est-à-dire de l'OAS, quoi. On était encadré par du barbelé et puis on recevait, c'est-à-dire on était bombardé tout le temps par des bazookas, des mortiers, un tas de trucs. Puis on évoque aussi un petit peu l'indépendance. L'indépendance. Les 10 jours qu'on a passés, c'est-à-dire de joie, enfin, de cris, enfin, un tas de trucs. Et pendant ces 10 jours, on n'a pas, c'est-à-dire, on n'a pas mangé, on n'a pas bu, quoi. On a bu que nos larmes et puis on a mangé que nos joies.
Et vous aimez ce quartier? Ben, oui. On se sent presque comme chez nous, presque. Malgré qu'il y a les flics et puis les CNS qui encadrent tout le quartier, des fois on se pose la question, on dit, pour qu'ils nous prennent, c'est pour des sauvages ou pour des cannibales, et puis ça s'arrête là. Quoi. Ça vous arrive de sortir ailleurs, dans Paris? De temps en temps, si, ouais. On va voir si un bon match de foot, enfin on va au ciné, on profite d'aller manger une pizza, et puis on essaye d'aller se tisser un petit peu dans des boîtes. Et puis, il faut arriver dans une boîte, c'est complet. C'est-à-dire, on ne veut pas insister, et puis, on le voit, les gens qui rentrent et qui sortent, et puis, là, on sait que... Des fois, ça m'arrive de me faire un brochin, quoi, d'avoir des cheveux comme vous. Ben là, ça ne pose pas de problème. Je suis là, je rentre, je consomme. Il y a une belle musique qui me plaît, bon, j'invite une cavalière, ben, je fais ma danse, et puis je la ramène. Et puis là, vous savez, il y a un petit problème, un de ses amis qui dit, oh, écoutez, on vous connaît. Ben, alors, vous savez, c'est des problèmes qui provoquent un tas de trucs. Ben, alors, ça finit toujours par un petit malentendu, ou enfin, par une bagarre. Ben, alors, de toute façon, on essaye d'éviter, quoi. Qu'est-ce que vous racontez là? Ça arrive à tous les Algériens, à Paris? Ben non. Non. Vous avez les hauts placés. Ils ont une belle chevelure, ils sont bien saqués, ils ont du pognon, cela ils peuvent se permettre. Et ben, le problème ne se pose que pour nous, les pauvres cons. C'est nous, les cons dans l'histoire. On voit assez peu de Français dans ce quartier. Enfin, vous avez les types qui habitent le quartier, mais on les voit pas souvent. Et on en voit que des... C'est-à-dire, on en voit beaucoup des touristes, quoi. Des Anglais, Italiens, Allemands... Enfin, des touristes. Et puis là, ils viennent uniquement pour voir les Arabes. خويا بالقطيفة تاعك ماذا بك روح السبت الجاي ان شاء الله تكون واجه القطيفة تاعك تاع المغرب الله خويا داكور هيا بسلامة واش ما يخصك خويا
واش تولي لباس الشيبانيه ما يكونش غالي بزاف صح عندي حاجه تبيك على حاجه مليحه ورخيصه عجبتك شادي لا ما دبيك تولي واحد اخر ولا حاجه شابه انا بغيت المراه كبيره حاجه مليحه شو الارتيك كي داير شنو يدير هذا 12000 12000 فرانك 12000 نعم غالي بزاف شحال تقدر تخلص ليا عطيك 8000 فيه لا ما تسواش 8000 فرانك هذا سيدي عطيني 11000 شو شو هادي عامين ما رحتش البلاد وديت شي بالي لا سومت لي 11000 فرانك 11000 سومت لي نعم بون صحه نعم بون روح روح عيطيني 10000 فرانك هيا انا 10000 فرانك قلت لي بلي راك رايح البلاد انا نخليك 10000 فرانك واش من جهه انت اخويا تونس تونس مين واش من جهه تونس العاصمه عيطيني 10000 فرانك اللي نجم نعطيك 9000 هيا انا دراهم كان هيا داكوري Quand j'étais chez moi à Oran, vers les années 1970, je voyais pas mal d'immigrés qui travaillaient ici en France, avec des belles bagnoles. Puis un beau jour, j'ai rencontré un ami qu'on avait travaillé ensemble, puis je lui avais fait signe, il s'est arrêté, descendu, on s'est embrassé, je l'ai invité à prendre quelque chose, puis là, on a commencé à discuter un petit peu la France. Puis je lui ai dit qu'il avait une belle bagnole. Et combien qu'il l'a payé, ben, en me répondant 700 000 balles. Je lui ai dit, bien, tu gagnes bien ta vie. Là. Ben, il m'a dit, ouais, je fais 400 000 balles par mois. Alors là, tout de suite, je lui ai dit, moi, en tant qu'ouvrier qualifié, d'après toi, combien que je... Ben, il m'a dit, tu sais, facilement, tu... Voilà, dans les 600 000 balles. Puis là, déjà, j'avais fait un petit calcul. En travaillant 3 mois en France, j'aurais 1 800 000. Là, je pourrais acheter une bagnole à 600 à 700 000 balles, comme lui. Puis acheter un outillage de travail. Et puis, descendre au pays. Et quand vous êtes arrivé à Paris, comment ça s'est passé? Ben, une fois sur les lieux, c'est-à-dire à Paris... Je n'ai pas eu le confort, comme avait dit. Puis je n'ai pas eu, c'est-à-dire, le boulot que je faisais avant. Puis je n'ai pas eu les 600 000 balles, comme avait dit. Enfin, je n'ai rien vu. J'ai commencé par faire de la manutention. Et puis, c'est-à-dire à décharger des wagons, à charger des wagons. Charger des, c'est-à-dire des camions aussi, comme décharger des camions, faire un petit peu, c'est-à-dire le ramassage pour des livraisons, c'est-à-dire pour prendre des colis pour faire de la livraison. Et je ne gagnais pas assez, je gagnais 300 francs par semaine, et ça a duré pendant 2 ans. Vous étiez assez isolé à cette époque-là? Ben oui, j'étais vraiment isolé. J'étais tout seul, là, dans mon coin. Et puis, ma vie, c'était le boulot. C'était uniquement le boulot. Vous dites que vous aviez 30 000 francs par semaine. Ça faisait pas beaucoup, ça? Oui, ça ne faisait pas beaucoup. Puis, je pouvais pas faire des économies. Ça m'est arrivé de rester 3 mois pour m'acheter un vêtement. Des fois, ça m'est arrivé d'être en présence des copains dans les bars. Enfin, je ne payais pas ma tournée, quoi. Simplement, uniquement pour récupérer, c'est-à-dire les 20 francs ou les 30 francs, car je ne pouvais pas. Et des fois, quand ma femme me téléphonait, ben, je lui disais que j'étais bien, que j'ai déjà acheté ma voiture, que j'ai déjà acheté mon outillage, enfin, j'ai tout. Que je m'apprête à rentrer au pays.
Puis en terminant, ma femme fou de joie, se voit déjà dans les trucs, me dit, bon, n'oublie pas de m'amener des robes. Enfin, des robes de chez nous, quoi. Et surtout, n'oublie pas le petit. Alors moi, pour casser tous ces mensonges, enfin, j'avais un petit peu de soucis, quoi. Je m'achetais, c'est-à-dire les soirs en rentrant chez moi, je m'achetais un cartonnage, c'est-à-dire de bière. Et puis, je montais chez moi, je mettais tout ça, ça fraîchit en dessous de la fontaine. Puis je commençais à écrire des lettres, des amis, ma famille, ma femme, enfin, toute la famille. Je rêvais un petit peu. Une fois terminé mes 6 bières, ben, je me mettais au dodo. Et vous connaissiez la Goutte d'Or à l'époque ? Ben non, c'est-à-dire oui et non, mais c'est le jour où notre compatriote a ouvert ce café-là, c'est là que j'ai commencé, c'est-à-dire à venir toutes les semaines, quoi. Les samedis, les dimanches, je les passe là. Et c'est là que j'ai rencontré des potes, des compatriotes comme moi, quoi, qui ont eu les mêmes problèmes que moi. Et là, on s'est changé un petit peu les idées, on a eu, c'est-à-dire... comment qu'il faut opérer, comment qu'il faut pour avoir un bon boulot, c'est-à-dire enfin, un tas de trucs. Et puis, c'est là que, enfin, ça soulage énormément quand on est avec des compatriotes, pour parler sur ça. Et puis, c'est là que j'ai eu ma branche. Mais quand ça allait mal, vous n'avez pas pensé à rentrer au pays ? Ben, vous savez, tous les ans, ma première année, je me suis dit, tiens, ça n'a pas été cette année, peut-être l'année prochaine, ça va y aller. Ben, j'ai commencé à essayer et puis ça a duré pendant 3 ans. Et pour nous, c'est un problème. Quand on rentre les mains vides, quand on s'en va comme ça au pays, et moi qui avais promis à ma femme la lune, de lui amener des bijoux, enfin, de lui amener un tas de trucs, des cadeaux pour toute la famille, pour les amis. Alors, je ne pouvais pas descendre les mains vides. Aux yeux, c'est-à-dire des voisins et des copains, c'est une lâcheté, quoi. Je suis un lâche, je suis un bon à rien. Et même, je pourrais être un voir, c'est-à-dire un vaut rien, quoi. C'est là le seul problème. 65, 32, 12, 86, 76, 31, 48, 36, 66. Allô. 0, 65, 25, 56, 52, 57, 71, 9, 8, 64, 68, 80, 0, 2, 38, 16, 77, 10, 72, 12, 50, 24, 28, 82, 33, 17, 6, 67, 14, 49, 73, 42, 34, 84, 78, 19, 85, 39, 47, 87, 89, 13, 30, 40, 33, 1 pénolaz, 29, 45, 88, 53, 11. Abbas.
تفضل بعد اعطيني كيلو شربة. السلام عليكم. سلام عاجل كيفك سي الحاج؟ لاباس لاباس. كان عجل كاين راه مذبوح ها؟ نعم اعطيني رطل رطل راه مليح ها؟ سبحان الله شو كذا؟ 800 فرنك صح واش نزيدك؟ عندك دماغات؟ كاين واه اعطيني واحد مسلوخ ولا؟ كاين مسلوخ كاين بالشعر اعطيني واحد مسلوخ مسلوخ؟ واه صح واش نزيدك؟ صافي فاهم عليك هذا مكان 24100 فرنك واه شحال؟ تفضل 24100 الله يبارك انا حاج كرك لاباس صاحبي خير خير 24 اسيدي 24 حاجة. نعم الله يبارك هيا حاج لا يخلف قال خير سيدي قال خير يا سلامة سيدي سلامة ها بسلامة هاك تفضل صح جنو نعم شو خير صحة وي تشوف روجي بصح شباب عليك انا عطيتك هذا الخور شاب قريب انت من الصباح حتى العشية الحمد لله هذا قعدنا مشاكل عطيتك هذا الخور شو غير نعرف شو الصبر ترا فيها شيء الصبر اللي ما كان الصبر ما كان حتى والو وجد لك ربع سوايع ورا لين تشنا فيك صافي لا مش قدام الاخوه صحتك نزازو ما يبدا تاش بقى تخاف في الموليس ما كنتك والو ما كون خاطرك هي صحه ما كنتك والو انا نعاونك خو على خير سلامة الله يهنيك الله يهنيك السلام عليكم ما كون خاطرك مولاي ان شاء الله ولا تاتي جولة مازال شتي عندك هذا الخير بصحتك Il a de la chance d'être un étudiant. Sinon, dans le film, il n'y a pas de Ça veut dire quoi Bon, ça veut dire un petit pot, c'est-à-dire un petit mot chez nous, quoi. Une petite blague. Bon, ça représente, je vais foutre une claque à ta mère et c'est ton père qui va tomber, quoi. Vous êtes ici depuis combien de temps maintenant 7 ans, à peu près. Oui. Vous faites votre métier, vous considérez que ça va bien Ben, dans un sens, si. J'ai un bon boulot, j'ai une bonne paye. Alors, ma femme et mon gosse sont là. J'ai un petit problème de logement. Et en plus, vous savez, un petit problème avec les Français. Des fois, dans le métro, il y a des gens qui vous regardent, enfin, qui vous fixent. Ça m'arrive de lire mon journal et puis de tourner ma feuille, enfin, brusquement, et puis hop, là. Des fois, je suis avec mon fils. Là, ça ne pose pas de problème. Il a 3 ans. Il est mignon, il est un petit peu turbulent. Enfin, les gens sont plus sympas. Puis, quand on est tout seul, enfin, là, on sent qu'il y a une différence. On se pose des questions, là? Ben, oui, c'est choquant. Enfin, vous voyez, trois types qui vous regardent comme ça, vous savez, vous avez un petit peu peur parce que ça finit toujours par un truc et puis vous dites bon, nous regardons comme ça, enfin, ma gueule ne le plaît pas, enfin, ou bien ma tête ne le revient pas, enfin, il y a un tas de trucs. Et des fois, ça m'arrive que quand je vois qu'il y a un bonhomme qui me fixe, enfin, je vais le voir en lui disant la raison pour laquelle il me regarde avec cet air-là. Enfin, il me répond en me disant qu'il est en train de lire les plaques, enfin, c'est sa façon de regarder les gens, ou bien c'est... Et
il est dans ses idées, quoi, dans sa pensée. Et puis, mais moi, je sens que vraiment, il veut me dominer avec son regard vraiment mesquin. Et on s'habitue ? Ben non. Maintenant, je me contrôle. Dans le métro, enfin, je bouquine, enfin, je regarde les plaques, enfin, j'évite les regards. Enfin, c'est devenu comme une habitude. Plus ça, ben, je fais le mur et le sourire. Le sourire, je fais le sourire et le muet. Au travail, c'est la même chose ? Ben, je vous l'ai déjà dit, je gagnais 300 francs par semaine. Et ça m'est arrivé d'aller demander de la rallonge. Enfin, mon chef, il me répond en me disant, écoute, tu bosses et tu te la fermes. Hein. Alors, c'était les débuts, enfin. Je m'écrasais, quoi. Ou bien, il me disait, bon, bougnoule, hop, ou bien, bico. Enfin, ça se comprend. Et maintenant ? Ben, maintenant, si ça va, j'ai des patrons, c'est-à-dire j'ai des patrons qui sont sympas, enfin, des potes de travail aussi qui sont chouettes. Enfin, ça m'arrive des fois de leur dire que hier, j'ai eu un petit malentendu dans le métro, que trois types bousculaient un petit peu, enfin, disons, c'est-à-dire des mots vulgaires, enfin. Vous savez, ils me disent, écoute, laisse tomber, c'est des pauvres types. Enfin, dans l'instant même, ça vous soulage. Puis, deux jours après, c'est pareil. Enfin, pas plus tard qu'hier, j'ai été interpellé dans ma bouche de métro, en entrant chez moi, par deux flics. Ils sont venus, il y en a un qui me demande, c'est-à-dire sans me saluer, qui me demande... ma pièce d'identité, et l'autre qui commence à me fouiller. Vous savez, il y a aussi le problème des gens qui passent, qui vous regardent, enfin, qui se demandent ce que c'est un voleur, enfin, qui c'est ce type-là, enfin, un tas de... Et puis, vous savez, des fois, je me demande, je dis, tiens, peut-être qu'ils le font exprès pour vraiment nous ridiculiser, quoi. Et on parle de tout ça dans le quartier ? Ah oui, on en parle... tous, on en parle tous. Moi, par contre, je peux me défendre, enfin. Puis vous avez d'autres qui sont timides, enfin, qui sont dépaysés, qui ont des problèmes de boulot, enfin, qui ont des problèmes de la famille en Algérie. Ben, ceux-là, vous savez, ils vont boire, quoi. Ben, on est là, on essaie par tous les moyens de les consoler un petit peu, quoi. De leur dire, écoute, va pas plus loin. Ça ne servira à rien, et puis on n'est pas chez nous. Mais ils ne veulent rien savoir. Là, ils se vont sur la boisson. Je vais vous apporter.
الشيخ الحسن وبحث أخويا علي وما تزال لك يمينة في حضرة أصحاب العربة لمن يجري جنة سلطان الحضر Yeah, no.
القرار في الأعوال.